Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1 d'Hervel. À la réalisation ce soir, c'est mon ami Pascal, comme à l'habitude, qui s'y colle pour ce numéro 424. On commence tout de suite par un premier hommage à un très très bon trompettiste qui a été certainement l'un des meilleurs jusqu'en les années 1940, tout du moins en ce qui concerne le continent européen. Il s'agit de Philippe Brun. Décédé le 15 janvier 1994, il avait 86 ans. Il avait étudié tout d'abord le violon au conservatoire, puis le bugle et à la trompette. Eh bien, il trouve sa voie. Il commence sa carrière en 1926 et en 1928, il rentre chez Grégor et ses Grégoriens, qui étaient, on va dire, l'orchestre en vue de l'époque. Et en 1930, il part en Angleterre car il est engagé par le chef d'orchestre très très populaire en Angleterre, Jack Hilton. En 1936, eh bien, il en a un petit peu assez de faire de la variété. Il rompt son contrat avec Jack Hilton et il rejoint l'orchestre de Ray Ventura pour faire, eh bien, on va dire, une tendance un petit peu plus jazz. Il enregistre notamment aussi en même temps avec Django Reinhardt. Et puis, il s'expatrie en Suisse alors que les événements se précipitent. Et c'est là que, d'ailleurs, il fera quelques enregistrements. Il a été certainement, comme je vous le disais, l'un des, si ce n'est le meilleur trompettiste européen, c'est pourquoi il était très demandé. Là, je vous propose de le retrouver en leader avec son Philippe Brun John Band, enregistré à Paris, le 28 décembre 1937 pour le disque Swing. Eh bien, il convoquait, bien sûr, notre ami Django Reinhardt, et également, il y avait Michel Varlop qui était au piano et Stéphane Grappelli qui était au piano. C'est assez rare pour le signaler. Philippe Brun est avec Alix Campbell. Il nous interprète une composition d'Isham Jones et de Gus Kahn qui s'intitule It Had to Be You. Philippe Brun. Thank you.
Une belle séance enregistrée pour les disques Swing ce 28 décembre 1937. Les musiciens n'ont pas perdu leur temps avec ce Philip Brown Jam Band à laquelle, Philip Brown à laquelle on rendait hommage, disparu le 15 janvier 1994. Il avait 86 ans et vous l'avez entendu. Et oui, c'était certainement l'un des meilleurs trompettistes de l'époque. Avec accompagné par Alice Combel à la clarinette, qui était de musicien également de haute volée. Puis on retrouve avec beaucoup de plaisir Michel Varlop, qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité avoir au violon. Stéphane Grappelli, lui, était au piano pour une fois. Louis Vola, eh bien, était accompagnateur attitré à la contrebasse à l'époque de Django Reinhardt, qui était à la guitare, était à la basse. Et Marcel Chaillou était à la batterie pour nous interpréter ce très beau thème de Gus Kahn et Hisham Jones, It Had To Be You. Notre page blues, c'est aussi une page hommage à un immense harmoniciste, il a nom pour nom Junior Wells. Il est décédé le 15 janvier 1998, il a 63 ans. Il avait commencé à écouter Sonny Boy Williamson à l'âge de 8 ans. Et dès 1946, eh bien, il est déjà un harmoniciste de talent, il n'a alors que 12 ans. Et il commence à chanter dans les clubs de Chicago avec notamment Memphis Slim et Tampa Red. C'est un harmoniciste très inventif. Il grave quelques beaux blues avec Elmore James, notamment, pour l'accompagner. Et entre 1953 et 1957, il commence à se faire connaître. Et en 1962, c'est le début du succès qui sera continué par cette association mythique, on va le dire, qu'il rythmera toute la fin de sa carrière, jusqu'en 98 pratiquement. En 1965, il s'associe au légendaire guitariste qui est toujours de ce monde, d'ailleurs l'immense Buddy Guy. Je vous propose de le retrouver dans une séance enregistrée à Chicago, au Stu Black Sound Recording de Chicago, où on le retrouve donc les deux compères, Buddy Guy à la guitare et Junior Wells à l'harmonica, pour nous interpréter ce thème dont John Louis Williamson s'intitule Good Morning Schoolgirl, Junior Wells. Can I go home with you? Tell your mother and your papa I'm a little schoolboy too. Baby, I love you this morning, I can't help myself. Come on now, pretty baby, I don't need nobody. Good morning, little schoolgirl. I'm gonna leave you, baby, about the break of day. On the kind of way you treat me, I got to stay away. Good morning, little schoolgirl, can I go home with you? Tell your mother and your father that I'm a schoolboy too. Come on now, pretty boy, baby, come on home. I'm your airplane, fly all over your town to tell everybody, baby, Lord knows you're fine. I can't stand it, baby, I just can't help myself. You're so young and pretty,
you love somebody. Run, my little school girl. Oh, can I go home with you? Come on, baby. Can I go home? Good morning, little school girl. Can I go home? Good morning, little school girl. Can I go home? Good morning, little school girl. Can I go home? Good morning, little school girl. Can I go home? Le dernier accord de Buddy Guy à la guitare qui accompagne donc Junior Wells, à lequel on rendait hommage dans cette page blanche, disparu le 15 janvier 1998. Il avait 63 ans. C'était Jack Myers qui était à la basse et Bill Warren qui était à la batterie pour les accompagner dans ce thème de John Lee Williamson intitulé Good Morning Schoolgirl. Dernier hommage de ce soir avec un tromboniste qui a marqué également l'histoire du jazz. Il s'agit de Jack Teagarden, décédé le 15 janvier 1964. Il n'avait que 58 ans. Il était né dans une famille de musiciens, son père tenait le piano, sa mère était violoniste, et ses frères et sœurs, eh bien, sont également musiciens. Il apprend le piano d'ailleurs très tôt, à l'âge de 5 ans. Puis en 1915, il n'a que 10 ans, il s'intéresse au trombone et il commence à jouer du trombone. Il devient professionnel en 1920, donc il n'a que 15 ans et il joue dans de nombreuses formations. Il enregistre son premier titre en 1927 pour le label Victor. Il rentre chez la formation de Ben, emmenée par Ben Pollack, jusqu'en 1934. Et à partir de 1935, eh bien, il rentre chez Paul Whiteman pour quelques années. 1939, il continue sa carrière et il forme déjà son premier orchestre. Et là, il enregistre pour Columbia, il enregistre pour Decca, il se fait connaître. Et puis, il réalise son rêve. En 1945, eh bien, Louis Armstrong fait appel à ses services jusqu'en 1951. Il tournera en Europe et dans le monde entier, ce qui continuera d'ailleurs avec sa propre formation. Je vous propose de le retrouver pour un enregistrement des années 50, le 12 novembre 1954, pour Bethlehem. Il enregistre un album qui s'intitule Jazz Great à New York et il est rejoint par Jimmy McPartland à la trompette. On l'écoute dans une composition de Joseph Russell Robinson qui s'intitule Eccentric. Jack Teagarden.
Jack Teagarden a enregistré pour le label Bethlehem avec un album qui s'intitulait Jazz Great à l'époque, enregistré à New York le 12 novembre 1954. Il était accompagné par Jimmy Ma Parkland à la trompette, Edmond Hall était à la clarinette, Cal Kress, excellent guitariste qui était avec sa six cordes dans cette séance, Dick Carey était au piano, Walter Page à la contrebasse, et puis l'immense Joe Jones était à la batterie pour nous interpréter cette excentrique composition de Joseph Russell Robinson. On va aborder tout d'abord l'actualité est assez dense. On va commencer par deux premiers rendez-vous ce soir. Premier rendez-vous ce soir, tout simplement, avec Pierre Touquet qui se produit au bistrot à 19h30. Donc c'est juste après l'émission. Vous pourrez vous y rendre. C'est 116 avenue René Coty. Vous connaissez l'endroit, le bistrot. Mardi 15, donc ce soir à 19h30, il s'y produit avec Stéphane Le Gallet à la contrebasse, juste en duo. Et puis, il y aura d'autres concerts, donc je vous réserve la surprise un petit peu plus tard dans l'émission. On va passer pour l'instant, puisqu'on parlait de concerts et de clubs, on va retrouver un célèbre club de la côte ouest qui n'existe plus maintenant, qui appartenait à l'immense batteur Chiliman, qui s'appelait le Men Hall, tout simplement. Et il s'y produisait de temps en temps des chanteuses comme c'est le cas maintenant de celle qu'on va écouter. Il s'appelle Ruth Price. Elle avait eu le bonheur de se faire accompagner par le quartet de l'époque de Chiliman dans son club, dans des conditions optimum, donc ayant le pouvoir de choisir son répertoire. Russ Roman au piano, Richie Kamuka au sax ténor, Chuck Berghofer à la contrebasse et Chiliman bien sûr au drums pour l'accompagner dans ce très beau thème de Tommy Wolfe et Fran Landesman qui s'intitule Listen Little Girl, Ruth Price. With the wild ones, better drink tea with the mild ones. That's my advice to you. Listen, little girl. Stay with your own little set, dear. Grand amours not for you yet, dear. You're still an ingenue. On your way up to the sky, better listen, little girl. Stay where the bright lights won't blind you. Someday your true love will find you. Better listen to me, 'cause I've got my degree. Better listen,
of things. On your way up to the sky, listen, little girl, little girl, little girl. Stay where the bright light won't blind you. Someday your true love will find you. Better listen to me, 'cause I've got my degree. Les spectateurs du Many Hall étaient, on va dire, ravis avec cette prestation de Rod Price, une bonne chanteuse, enregistrée donc au Man Hall de Hollywood le 3 mars 1961. C'était le lieu et le club qui appartenait donc à Chili Man, qui a invité tous ses copains musiciens pratiquement tous les soirs à faire des jam sessions de rêve. Ross Freeman au piano, Richie Kamuka au sax ténor, Chuck Berghofer était à la contrebasse et Chili Man bien sûr aux drums pour accompagner Rod Price dans ce très beau thème de Tony Wolfe et Fran Lanzmann intitulé Listen Little Girl. Elle va continuer avec l'actualité maintenant et bien jeudi, c'est-à-dire jeudi 17 à 19h, c'est cette fois-ci c'est au théâtre Sarah Bernard à Sainte-Adresse, vous connaissez l'endroit, c'est 43 rue d'Ignauval. Eh bien se produira la formation SpongeBob dans la formule qu'avaient privilégié Eddie Louis et Jean-Luc Ponty, c'est-à-dire on va retrouver cette fois-ci Sébastien Guillaume au violon, Florent Gac avec à l'orgue Hamon B3 bien sûr, Grégory Serrier à la batterie, et puis on a invité Pierre Touquet qu'on ne quitte plus puisqu'on vient d'annoncer un concert au bistrot il y a quelques instants. Et puis tout ça se déroulera donc dans le cadre de Jazz en entrée, SpongeBob, jeudi 17, c'est la première de l'année, à 19h. 43 rue d'Ignauval à Sainte-Adresse. Et puis on va continuer avec, cette fois-ci on va changer d'endroit et on va aller à Lillebonne avec un duo assez original. Ils reprennent même des chansons des Beatles, mais ils sont deux. Il y a une magnifique chanteuse du nom de Petra Magoni, et accompagnée par un contrebassiste qui est très talentueux. Il s'agit de Ferruccio Spinetti, qui forme le duo Musica Nuda, et c'est une très haute facture. C'est au Centre Culturel Giulio Bona, cette fois-ci. C'est à Lillebonne, c'est place Pierre de Coubertin. Là aussi, c'est un bel endroit. Vendredi 18, et c'est à 20h30. Et franchement, je vous conseille d'aller voir ce concert parce que ça en vaut la peine. Et puis, on va finir en beauté. On va finir en beauté cette semaine avec le rendez-vous, le premier rendez-vous du Hot Club Jazz du Havre Pays de Caux. C'est la Galette des Rois du Swing qui se produira à Saint-Martin-du-Manoir, la salle polyvalente. C'est 6 rue Jacques Payet. Vous commencez à connaître l'endroit. C'est à Saint-Martin-du-Manoir, dimanche 20 janvier à 15h. Et la surprise, eh bien, la surprise, ce sera la production à partir de 15h jusqu'à environ 18h, eh bien de la formation Louisiana Co. Jazz Band, qui vient de sortir un nouveau CD. Donc à l'occasion de cette sortie de CD, eh bien vous pourrez déguster une belle galette des rois, et puis en même temps découvrir la nouvelle prestation, le nouveau CD de Louisiana Co. Plein de choses donc cette semaine, et on retrouvera cette formation un petit peu plus tard dans l'émission. En attendant, on va retrouver cette formule, donc orgue et violon, Jean-Luc Ponty et Eddie Louis réunis, dans un thème de Jeff Gilson qui s'intitule Sniffing the Blues. C'était enregistré pour le disque Philips en juin 1964. Thank you.
L'orgamon d'Eddie Lewis dans ce thème intitulé Sniffing the Blues, une composition de Jeff Gilson qu'il avait enregistré donc avec Jean-Luc Ponty. C'était à Paris, dans le studio Philips, en juin 1964. C'était Gilbert Rover qui était à la contrebasse et Daniel Humer au doigt pour nous interpréter ce thème de Jeff Gilson. On va continuer avec, pour l'occasion de réécouter encore à nouveau un extrait d'un très très bel album conçu par l'excellent Thierry Maillard, le pianiste, compositeur et arrangeur, qui a réuni encore un big band pour un album qu'il a enregistré pour Ilona Records qui s'intitule Pursuit of Happiness. Il a réussi, ils sont 15 musiciens, c'est absolument fabuleux, enregistré au studio Ricole Pompignan dans le Gard du 28 au 31 août 2017. Je vous propose de retrouver cette très belle formation dans un très très beau thème de Thierry Maillard, Unknown Planet. Thierry Maillard, Big Band.
La grande formation de Thierry Maillard, le Thierry Maillard Big Band, avec cet enregistrement effectué au studio Ricole à Pompignan dans le Gard du 28 au 31 août 2017. L'album s'intitule Pursuit of Happiness. Il était enregistré sous le label Inona Records. Et l'on vient d'entendre une de ses compositions qui s'intitule Une Planète, où s'est illustré notamment au bugle, et bien notre ami Thomas Echo. Il y a des musiciens, vraiment de très bons musiciens dans cet ensemble de 15 musiciens. Il y a notamment Stéphane Guillaume qui est au sax. Il y a Samy Thibault qui est également au sax ténor. Enfin, il y a que du beau monde. Emmener tout ça est mis en place d'une manière phénoménale par Thierry Maillard. On va continuer avec une petite balade, cette fois-ci accompagner Norah Jones, la belle Norah Jones qui a été pour cet album notre coup de cœur il y a quelques temps déjà. Un album enregistré en février 2017 au Brooklyn Recording de New York. L'album s'intitulait Daybreak, elle l'avait enregistré pour le label Blue Note. Eh bien, on vous propose de la retrouver avec Wayne Shorter dans un thème de sa composition qui s'intitule Burn. Begins with you and me in dark lit rooms. Your cigarette cuts through. I wear it like perfume. The melody gives way. We silently behave. The story never read is torn up into shreds. I see it in your eyes. The invitation lies, but pages left to turn. Our chapters we should burn. Thank you.
La belle Norah Jones nous interprétant un très beau thème de sa composition et qui s'intitulait tout simplement Burn, qu'elle avait enregistré pour Blue Note, avec dans cet album Des Bricks, enregistré en février 2017 au Brooklyn Recording. C'était Wayne Shorter qui était au sax soprano, John Patitucci était à la contrebasse, Pete Rome était à l'orgue et Brian Blade était à la batterie, du beau monde aussi là pour l'accompagner. On va retrouver notre premier coup de cœur de ce mois de janvier. Il s'agit du vibraphoniste, une valeur montante du jazz moderne, on va dire maintenant. Il s'appelle Stephen Harris. Il a enregistré un très bel album pour le label Motema, entre le 6 et 8 avril 2017, au System 2 de Brooklyn. Là, on reste dans le même endroit. Et je vous propose d'écouter une adaptation d'un thème de Ras Silver qui s'intitule The Capernaum Blues. Stephen Harris. Thank you.
Stephen Harris est notre premier coup de cœur de ce mois de janvier, enregistré au System 2 entre le 6 et 8 avril 2017. Cet album s'intitule Blackout Sonic Creed. Il est paru donc sur le label Motema. Et on a retrouvé Stephen Harris donc au vibraphone et au marimba, avec John Francis qui était au clavier, Joshua Conry qui était à la basse, Tyrone Gouli était à la batterie. Et puis il y avait également Gasset Benjamin qui était au sax alto, Mike Moreno qui était à la guitare, Félix Peckley était à la clarinette, Pedrito Martinez était le percussionniste bondissant, on l'a entendu dans ce thème intitulé The Capelverdian Blues, qui était une adaptation d'une composition de Ras Silver, et puis il y avait la flûtiste Elena Pinterhughes. On retrouvera bien sûr cet album la semaine prochaine. Le deuxième coup de cœur, c'est un retour vers, on va dire, une musique un petit peu plus jazzy, et c'est cela vient du Nord, de Suède, en attendant, et on retrouve Aida Sand, son piano, sa magnifique voix. Elle a même arrangé tous les thèmes de cet album qui s'intitule My Soul Kitchen, qu'elle a enregistré pour le label ACT entre le 31 janvier et le 2 février 2018. C'est donc une nouveauté à l'Atlantis Studio de Stockholm, et on la retrouve avec le Stockholm Underground, qui est une association de cuivre emmenée par l'excellent Lars Danielson. Je vous propose de retrouver un thème de J.C. Johnson qui s'intitule Empty Bed Blues. C'est un vieux blues revisité qui avait été chanté notamment par Bessie Smith. Aida Sand, notre deuxième coup de cœur. I woke up this morning with an awful aching head. I woke up this morning with an awful aching head. My new man had left me just a room and an empty bed. Coffee grinder, that's the best that I could find. Bought me a coffee grinder, that's the best that I could find. Oh, he could grind my coffee, 'cause he had a brand new grind. He's a deep sea diver that can go wrong. He's a deep sea diver with a stroke that can go wrong. He can stay at the bottom, and his wheel goes out so long. We'll be right back.
My Soul Kitchen, c'est le nom de l'album enregistré pour ACT par Aida Sand, qui est absolument magnifique dans ce thème, notamment composition de J.C. Johnson, Empty Bed Blues, enregistré au studio Atlantis à Stockholm entre le 31 janvier et le 2 février 2018. C'est donc une nouveauté. Aida Sand était elle-même au piano, et puis on a entendu également un petit peu en avant le guitariste Henry Johnson avec cette petite formation emmenée par Magnus Lindgren, Stockholm Underground. On retrouvera elle aussi, eh bien, on la retrouvera la semaine prochaine. On va terminer avec un concert de notre ami Sanguet, enregistré au Ventura College en Californie le 15 décembre 1990. C'était donc quelques temps avant son décès. Un album qui est sorti sous un label japonais, tiré donc d'un concert. L'album s'intitule Not So Long Ago. Il était paru sous le label Sinatra Society of Japan. On retrouve avec bonheur le pianiste un petit peu oublié, Frank Sciasieri, et on retrouve également le contrebassiste John Patitucci, qu'on a écouté tout à l'heure avec Norah Jones. Ralph Pelland est pour sa part au drums. Écoutons ce très très beau thème de Billy Strayhorn, Lush Life. Thank you.
Enregistré à l'université au Ventura College de Californie le 15 décembre 1990, l'on vient d'entendre cette belle composition de Billy Strayhorn, Love Live, interprétée par notre ami Stan Getz, accompagnée par Frank Cervieri au piano, John Patitucci à la contrebasse et Ralph Pelland à la batterie, tiré de cet album Not So Long Ago. Et puis, eh bien, si prend fin ce nouveau numéro de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 424 à la réalisation. Mon ami Pascal était fidèle derrière les manettes. Alain, votre serviteur derrière le micro, vous donne tous les deux rendez-vous, bien sûr, mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.